tout le monde, c'est la Team BS. Bienvenue sur Team BS TV. L'histoire commence. Rendez-vous à Calais ce soir. C'est ça. C'est quoi ton morceau préféré de l'album? Mon morceau préféré de l'album? Ouais. 1, 2, 3. Et toi, Sultan, c'est quoi ton morceau préféré de l'album? Genre. Et toi, Laoli? Crio. Et toi, Fabébé? Crio. Crio. Et moi, c'est toi, mon Crio. Moi, c'est Crio direct. Team BS, c'est l'histoire d'un collectif. Team BS, c'est... On raconte une histoire dans ce disque. Au début, quand je suis rentré en studio avec Cindy, Sultan et Fababi pour enregistrer un morceau, c'était juste pour faire une chanson. Puis ça a donné Team BS. Et puis je me suis dit pourquoi pas, pourquoi ne pas faire un disque. Restons silencieux sur ce genre de musique là, hein. Ah vraiment c'est là de chanson là, vraiment. Bon, Fababi, t'es sur Snapchat, Twitter, Vine ou Facebook, ou Instagram. T'es partout. Ah putain, je t'ai envoyé un Western Union. Donc prépare-toi à aller en Afrique, hein. Ouais, je suis trop content, franchement. Il faut acheter plein de... Comment on appelle ça, là? Fournitures. C'est les produits en tout cas. Ah ouais, t'es pas prêt. Ah bah ça se perdrait, mon frère. Tu es maigre, hein. Tu n'as pas mangé. Va laver ta main. Le grand plat, il sera prêt directement. Ça arrive. Ah bah dire, il y a des couverts. Mets ta main, là, mets. Pioche dedans. Au plaid, quand t'arrives, ils te mettent des pâtes, du poulet et tout, ils disent bon, ça c'est petit plat. Mon frère, les genoux, ça c'est le repas normal, ils disent ça c'est petit plat. C'est le début ça, c'est le début. C'est l'entrée, des pâtes. Déjà, dès le matin, il y en a, ils mangent des céréales, donc ils tapent un vrai plat de riz. Dès le matin, ils n'ont rien à foutre. Je sais ce qu'on dit souvent. Tout à l'heure, il m'a dit. Fais très attention à toi. Et puis l'ambiance au sein du groupe, on est plus qu'un groupe, on est une petite famille. Ça. Voilà, c'est vraiment un collectif avec une âme. Bon, on va voir, toi, il a dit, Fababi, il a dit un lien. Et elle va trouver direct parce qu'elle est plus intelligente que Fababi, je crois. Elle est plus intelligente que toi. Moi, j'ai déjà trouvé. Ça reste à prouver. Moi, j'ai déjà trouvé, toi, ça. Mais non, parce qu'il y a des peurs. Mais il y a des peurs. Mais franchement. Pourquoi il y a des peurs? Franchement, les amis, en 4 lettres. Roux. Sale. S-A-L-E. C'est sale. Le cochon, il est sale. Lui, il est en train de la salir. Elle a le linge sale à lui mettre dans le truc. Et puis lui, il est sale. Ouais, ça. On met pas dans. On est aussi que je sache ce que c'est. Mais attends, tu vas bien. Bois. Ouah, ça il l'a trouvé direct. Bois. Bois. Je viens d'un village, il y a un. Il a un. Ouais, il a un. Vas-y, allez, je prends rien. Chocolat. Tablette carré. Qui a dit tablette en premier? C'est moi aussi. C'est moi aussi. C'est moi. Nous pourrons revoir les images. Les gens pourront vite revoir le replay. Moi j'ai 4-4. Hey, mais arrête, je vais te blesser. Oh, regardez ça, regarde. Même quand je regarde, je peux pas. Allez-y, allez-y. Ta droite, tu mets ce jeu là. Oh là là, c'est dur là. Je vais réfléchir. Triste. Triste. Oh, vas-y, pourquoi le singe? Le singe. Pourquoi le singe? Pourquoi le singe, il est triste? Je veux savoir. Pourquoi ils t'ont mis le singe? Pourquoi? Parce qu'en fait, le singe, il est triste. Un singe ne ressent aucune émotion. Ah, c'est conneries. Ça ressent pas d'émotion. Pas des singes au niveau. C'est toi le singe, ça, c'est dans les images, et trouve le mot qui les rassemble, quoi, qui les rejoint, qui... Bon, apparemment, on joue depuis une demi-heure, mais Fababi n'a pas compris que sur 4 images, il fallait trouver un mot. Vague. L'âme. Ah, bah quand même. L'âme. Là, c'est l'âme. M. Tu l'as trouvé, Fababi? Oh merde. Oh,
Ah ouais, putain. Vive. Oh là là. On allait tout le monde, hein. Ah oui. On va chier. Ouais. Faut être devant le piano. Alors attends deux secondes. Non, non, non. Tu vois, moi, le truc que je t'explique là. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Alors, vous avez tous vos places, parce que c'est complet. Hein. Ok, bah tout à l'heure, en plus, la petite surprise, j'ai ramené la team BS avec moi. Allez. A tout à l'heure, tout le monde. Ça doit être à sa team, sa team, c'est ça. Ouais, c'est à moi. Fatima, ça va ma chérie ou quoi? Ça va bien ma puce? T'as la forme? Alors, dis-moi tout. Fanta? Parce que je l'ai fait autour de toi. Ça fait quoi? Le regard qui t'a lancé. Début, tu vas t'installer chez TFM, tu commences à. Tu sais, quand je rate match de foot, ils ont un imbécile, ils arrivent pendant 15 minutes, là, ils passent des conneries. Au début, tu commences à faire ce genre de choses. Je vois, tu commences à leur balancer sur. Là, tu fais de la pub pour Fanta la saison? Ouais. Inch'Allah, ça va me rapporter. Ouais. Les gens, ils s'en foutent de ta gueule. Bien arrivé à la salle de Calais et je trouve quoi? Un studio photo et un coiffeur, un salon de coiffure. On est prêt ou pas? Pour moi un bon coiffeur, c'est pas un coiffeur qui. C'est pas celui qui coupe le mieux. C'est celui qui a l'écoute de son client. C'est vrai ou pas? Bah à vous. Ah attends, t'as pas ce problème. Comment il s'appelle le salon de coiffeur? Mister Coupe. Voilà, faudra bien mettre Mister Coupe Coupe tout, on va faire un bon truc, t'inquiète. On va bien vous relancer. J'ai un petit dégradé jusque là. Parce que je veux dire ou pas. Ouais, ça marche. Dedans. Je fais quoi là? Hein? Non, oh, j'ai un caleçon. Là on est là, on va se doucher, travailler au calme. Elle est où la douche? On a fait la route, là-bas il y a une petite douche. On va se brosser les dents. Histoire de se sentir présentable. Au public de la team BS, voilà, parce que c'est pas le public de Sultan en fait. Le public de Sultan, tu peux venir, tu vois, main dans le caleçon et tout. Le public de la team BS, tu vois, c'est plus délicat, tu vois, tu comprends. Ah ouais, je comprends là. C'est quoi qui est délicat là? Franchement là. En fait, quand je me brosse les dents, c'est délicat parce que j'ai pas envie d'abîmer l'émail de mes dents. Le mec se balade depuis une demi-heure avec sa brosse à dents sur la bouche, ça fait des gouttes par terre. Mais c'est parce que je trouve pas la douche, on m'ouvre pas la douche, donc je vais me pécher. Mais il y a des toilettes, tout le temps. Je me brosserai pas les dents dans des toilettes, c'est inadmissible. Les toilettes sont faites pour chier, pas pour se laver. Même si t'as une amie de chat, tu crois. Ah, je rigole. Oh. Au mot aussi, tu te fais coiffer. Non, petit, tu sais, double mot aussi, il se relance pas. Il n'y a pas de concert. Ah, oui. Merci, mon gars. Ah, on va relancer, là. Ah, tu veux faire quoi, là? Je vais repasser, mais vas-y, il n'y a pas de prise, là. Histoire. Tu vas repasser ici, là? Ah, frère, il n'y a pas le choix, tu vois. Brosse à dents. Elle est toujours là, ta brosse à dents. De combien de temps de dentifrice? Non, ça fait on va dire une demi-heure. You know. Putain. You know. Bah ouais, mon frère. Putain, mais c'est qui le meilleur rappeur entre toi et Favavi? Franchement, inconcevable. Non, on m'a posé la question là. On a dit qu'on se mettait plus en conflit, lui et moi. Ça leur pourquoi avec nous, quoi? Vas-y. Eh, sur toi et Favavi, c'est dans le coin ou quoi? Ah, mais nous, je. Ouais, je suis très loin. Parfait, c'est bon. Je suis très loin. C'est un fou, ce mec. Lui, tu lui demandes, tu vois, vous asseyez okay. À 4 comme ça. Tu toujours c'est qui a voix qui meurt le ou qui meurt pas, tu vois. Mais c'est toujours ceux qui parlent pour rien dans les films qui meurent en premier. Ouais, ouais. C'est bon, t'es prêt? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sors un nouveau projet qui s'appelle Team BS. Cet album, je vous jure, il a été fait avec tout mon cœur. C'est un album de malade mental. Les amis, vous savez quoi? En exclusivité pour vous, je suis en train de tourner une nouvelle série qui va s'appeler Banlieue Team BS TV. Voilà le premier épisode qui allait mettre au maximum de brutalité. Donc,
Montrez-leur comment c'est chaud dans le nord, la famille. J'ai envie que vous entendiez tous chanter cette chanson que j'ai parlé. Mesdames et messieurs, les personnes que vous avez en face de vous ne sont pas des rappeurs ou des chanteurs, ce sont des artistes. Les artistes ne demandent qu'une seule chose, c'est un tonnerre d'applaudissements. Merci. Il a mangé tout, il est rentré dans cette loge, il a tout mangé. Il m'a fait semblant d'en donner un peu, regarde. Non mais il m'a donné les fraises, il a été gentil avec moi quand même. Mais après le truc, c'est que ben, on n'y a plus quoi. Et du coup, quand on veut partir, il y a un mars. Ils ont pris tout, elle sait quoi, ils ont pris tout sauf le meilleur, la tarte. T'allais pas trop voir la tarte. Qui en a mangé? Toi. Quelle question. J'essaie de rajouter sur le truc, les claviers des trucs électroniques. Yo, c'est trop bien. Yo, oh là là, c'est quoi, j'étais content. Ah ouais, mais je vous félicite. Je vous félicite tous. Je te jure, aujourd'hui, tout le monde était nickel. Vous êtes, je vous félicite, vous êtes tous tous. Yo, regarde. Tiens, je t'ai donné le mot. Merci. Les amis, Team BS TV, on est KO. Mais quand même, on va au studio tout de suite. Vous êtes chaud ou pas? Ouais. On va partir en studio, on va continuer à travailler juste après le concert. Il est là, derrière. Au revoir tout le monde, bonne soirée. Quand même, on prend une petite douche, on rentre à l'hôtel. Attends, ouais. Histoire de quoi? Bah oui. Au revoir tout le monde, c'était la team BS à Calais. Direction studio, la semaine prochaine. Pour tous ceux qui vont aller acheter cet album, Team BS, sachez que c'est un album qui a du fond. C'est un album qui a été fait avec le cœur. C'est un album qui... Voilà, avec de vrais messages. Avec une âme. Il y a des chansons pour danser, il y a des chansons pour réfléchir. Il y a de tout. Et je suis vraiment content de vous le faire découvrir. Ça arrive le 24 février prochain. Il est déjà en téléchargement sur iTunes. Et bientôt, on sera en tournée dans toute la France. Et voilà, c'était une aventure que j'avais envie de partager avec vous. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Merci à tous ceux qui n'ont jamais douté de nous. Et merci à tous ceux qui auront acheté ce disque, tous ceux qui écouteront notre musique et qui passeront des bons moments.
et à tous ceux qui font en sorte que cette aventure soit possible. Et c'est que le début. Team BS, l'histoire continue.